Salut à tous, si vous aimez nos films et que vous voulez nous encourager financièrement, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous dans la description. En mon nom personnel et au nom de Ruth Kadiri 247 Team, nous vous aimons et vous disons grand merci. Lève-toi. Sugar Boy, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Écoute, je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu fais ici? As-tu déjà oublié tout ce qu'on a fait toute la nuit? Toi aussi. Je te donne 5 minutes pour quitter cette maison. Ce n'était pas ce que tu disais hier nuit, quand tu m'embrassais partout, tu sais. Je te donne cinq... N'étais-je pas satisfait, bébé? 5 minutes pour quitter ma maison. Sors d'ici. Sors de ma maison! Allez, bouge, avance. Pardon, tu ne m'avais pas encore payé, monsieur. Sors d'ici. T'ai-je dit que je ne pouvais pas te payer? Est-ce que je t'ai donne-moi dit... mon argent, est-ce que je te dis, dit que je ne argent. Peux pas te payer? Tu m'as pas allez, encore sors payé. De chez moi. Laisse-moi sors tranquille. De chez moi. Donne-moi mon allez, argent. Vite, je dis, donne-moi mon argent. Tu m'as pas encore moi. Payé. Sors tu me proposes. Sors. Ne me allez, pousse pas. Sors. Donne-moi mon argent. Je vas-y. Dis, donne-moi mon sors argent. Sors d'ici, très vite. Mon ami, je te dis de sortir d'ici. Tu es malade? Tu es folle? Hein? C'est quoi? Tais-toi là-bas, idiote. Viens chercher ton argent. Fred. Oui, patron. Et tout ce je t'aime que tu me disais toute la je nuit. Je ne veux plus revoir ce visage ici. D'accord? Oui, patron. M'as-tu compris? Oui, patron. Ton patron, là, c'est un idiot. C'est comme ça qu'il traite les femmes. Il ne sait pas comment traiter les femmes. Désolé, oh. Écoute, c'est comme ça qu'il est. Je ne puis rien. Partez, je ne veux pas perdre mon boulot. Pardon. Oya. Partez vite, s'il vous plaît. Je ne veux pas perdre mon boulot. Attends, laisse-moi d'abord ramasser mon argent. Madame, allez, vite, vite, vite. Vite, allez-y. Et toi, laisse-moi d'abord mettre mes chaussures. Tu as eu ton argent, je fais aussi mon travail. Je cherche aussi le mien. Fais doucement, s'il te plaît. Tu as déjà eu. Laisse-moi d'abord mettre toi. Mes chaussures. Tu es malade, tu veux qu'on me vire? Vas-y, vite. Ça veut dire quoi? Elle veut encore porter ses chaussures. Mon patron, tout le temps, vous n'êtes pas fatigué? Je prie seulement que vous changez. Viens avec moi.
Sly. Sly. Ma, je suis désolée, mais est-ce la personne dont je dois prendre soin? Serait-il un problème? Mais c'est un adulte. Mais je me souviens pas t'avoir dit que je t'employais pour un bébé. Dois-je alors garder un adulte? Tu préfères ne pas le faire? Mais... Tu sais pourquoi tu es ici? Ou tu préfères soudainement retourner à ta lamentation ou quoi? Hein? Quand vais-je débuter, Ma? Tu commences maintenant. Si tu te débrouilles bien, je vais augmenter ta récompense. Et tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Maman, s'il te plaît, maman, n'utilise pas ma situation contre moi. C'est ce que je fais? C'est une situation gagnant-gagnant pour nous deux. Et je sais que tu perdras encore plus si tu décides de faire marche arrière maintenant. Monsieur. Maman, ça va, je vais bien. Maman, laisse-moi.
Laisse-moi. D'accord, je vais me lever. Attends. D'accord, je vais le faire. Aïe! Bébé, attends, reviens. Hey! Non! Jeune fille, combien laissez-moi! Tu veux? Laissez-moi, s'il vous plaît, laissez-moi! Oui. Arrêtez! Arrêtez! Non! Arrêtez! Non! Non, je ne peux pas! Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas! Non! Qu'est-ce qu'il y a, Vera? Maman, je ne peux pas! Tu ne peux pas quoi? Je ne peux pas me mettre en danger pour m'occuper d'un fou! Je ne peux pas le faire! Arrête ça! C'est mon fils et ce n'est pas un fou. Et je te demanderai de ne plus jamais employer ce mot pour le qualifier. Bien, je suis désolée, maman, mais je ne peux pas le faire, je ne peux pas. C'est quoi ça? Comment on en peut être ivre à cette heure de la journée? Vera, ma chère, je t'ai amenée ici de bonne foi. Je suis sûre et certaine que tu vas y arriver. Je sais que tu feras du bon travail. Au prix de ma vie, bien sûr. Regarde-moi. Écoute, mon fils n'est pas une bête. C'est juste un drogué. Et tout ce qu'il fera sera sous son influence. Sinon, c'est une âne si douce. Et je sais que tu l'aimeras bien. D'accord? D'accord? Bonjour, monsieur. Qui es-tu? Qui es-tu et que fais-tu ici? Bien, je... Vas-tu parler ou je dois te forcer à le faire? Qui es-tu? Je demande qui... Bonjour, mon fils. Comment vas-tu? Comment vas-tu, Sly? Tu es là? C'est ce que j'ai toujours dit, Sly. Donc, tu n'as même pas su que j'ai dormi ici. Comme toujours, tu es dans ton monde perdu. Tu ne te rends même pas compte de ce qui se passe autour de toi. Maman, tu aurais pu m'appeler et m'informer de ta venue. Et ça aurait résolu tous ces problèmes, tu vois, non? Sly, seules les personnes conscientes décrochent les appels. Et elle, c'est qui? Ta nouvelle assistante. Son nom, c'est Vera. Elle est ici pour s'occuper de tous tes biens et de tout ce qui te concerne. Maman, je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Je vais bien. Je veux être seule dans ma maison. Nous avons déjà eu cette conversation. Sly, tu as besoin d'une aide. Vera, continue de faire ce que tu faisais. Mon fils a besoin de manger, d'accord? D'accord, maman. Maman, je viens de... Toi, arrête ça. Ne nettoie pas la maison. Je viens de dire que j'ai pas besoin d'aide. Arrête de nettoyer la maison. Maman. 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 Hey,
Maman, écoute, je ne veux personne dans cette maison. D'accord? Je suis bien, tout seul. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Sly, tu es plus inconscient que conscient. Et en plus, je ne reste pas ici avec toi. Alors comment vais-je savoir si tu vas bien ou si tu as besoin d'aide? Oh, maman, écoute. Et voilà. Maman, écoute-moi bien. Je ne suis pas un enfant. Oui, tu es mon enfant. Et Vera va rester ici. Et d'ailleurs, très bientôt, tu seras à la tête de l'entreprise. Alors j'ai besoin que tu ailles bien quand ce moment viendra. Il faut que tu réfléchisses alors. Et c'est mon dernier mot. Elle reste. Écoute, je m'en fous de qui es-tu. Tu as peut-être réussi à mettre ma mère de ton côté. Mais écoute-moi très bien, tant que tu es imposé dans cette maison, évite-moi. Évite-moi, je te dis. Tu es prévenu. Ma chère, ne fais pas attention à lui, d'accord? Il reviendra. En plus, il n'a pas le choix. D'accord? Maman, s'il te plaît, j'ai toujours la peur d'être ici. Puis-je partir? S'il te plaît. Partir? C'est à toi de choisir. Tu veux vraiment partir? Madame, docteur. Oui, j'arrive. Oh. En quoi puis-je vous aider, monsieur? Où est Sly? Et qui es-tu? Tu ne ressembles pas à une prostituée. Oui, parce qu'il t'aurait déjà mis à la porte. T'as pas non plus l'air d'une petite amie. Car je sais qu'il n'en a pas. Monsieur, s'il vous plaît, qui dois-je lui dire qu'il est ici pour le voir? Mervyn. Dis-lui que c'est Mervyn qui est là. D'accord. Où est-ce que Sly a trouvé cette belle femme? Qui est-ce? C'est moi, monsieur. Votre ami Mervyn est ici pour vous voir. Dégage. Monsieur, votre ami est ici. Je dis dégage. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. C'est qui? Ah! Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi tranquille. Ah! Laisse-moi tranquille. Ah! Reste.
Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur, c'est votre ami. Il a essayé de profiter de moi. Allez. Je n'ai pas profité de toi. Je voulais juste m'amuser avec toi. Quand je ne suis pas une prostituée. Oh Seigneur. Tu n'es pas une prostituée. Alors pars. Parce que tu ne me sers à rien. Oui. Quitte ma maison. Seule ta mère a le droit de me virer. Et en plus, elle a dit, à moins que je veuille partir de moi-même ou jusqu'à ce qu'elle me vire, je ne partirai pas d'ici. Alors tu feras exactement ce que je te dis de faire. Dans cette maison, tu n'embarrasseras plus mes amis comme ça. Tu les feras se sentir à l'aise, comme s'ils étaient chez eux. D'accord. Que ce soit la dernière fois que cela arrive. C'est bon. Allons-y, bro. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a, bro? La prochaine fois que tu essaieras de faire cette bêtise, Marvin, je vais pas te louper. Comment oses-tu t'imposer à une femme? Et en plus de cela, dans ma maison. Es-tu malade? Tu es fou? Hein? Donc tu m'as giflé? Et je pourrais te gifler à nouveau si tu essaies encore cette bêtise. Idiot! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu te moques de moi? Tu pourras me traiter un peu mieux. Quelle est la différence? Ferme ta gueule, idiot! C'est seulement les femmes que je paie pour le sexe que je traite de cette façon. Je ne me forcerai jamais sur une femme. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Alors, laisse-moi te conseiller. Si une femme dit non, c'est non. N'essaye plus jamais ça dans ma maison ou ailleurs. Alors, dis-moi, pourquoi tu m'as défendu si tu sais que tu allais... Et toi, ce n'est pas ton problème. Quand la femme dit non, non, c'est non. Bois un verre. Assieds-toi. C'est trop tôt pour que tu pleures ce matin. Je vois que tu n'es pas l'une de ces genres de filles qui l'amènent ici. Tu es ici pour travailler tout comme moi. Mais moi qui travaille au portail, dehors, je sais ce que mes yeux voient. Qu'en est-il de toi qui travaille à l'intérieur? Je ne peux pas. Je ne peux pas, Fred. Je ne peux pas être à ce poste. Je suis diplômée. J'ai des diplômes. Je ne peux pas être réduit à un si vilain état. Dieu. C'est comme ça notre pays, hein? Penses-tu que j'ai pas été à l'école? Je suis aussi diplômé. Oui. Mais nous voici en train de servir un garçon qui a tout sur un plateau d'or. Et qui a choisi faire les choses de manière illégale. Qu'allons-nous faire? C'est le pays. Nous n'avons pas le choix. Alors,
Comment est-ce que tu t'en sors? Comment est-ce que je m'en sors? Regarde, je suis un homme et je travaille à l'extérieur. Toi, tu es une femme et tu travailles à l'intérieur. C'est vraiment difficile, hein? Mais je ne sais pas pour quelle raison tu es venu travailler ici. Parce que moi, si tu me demandais, je ne te conseillerais pas de venir travailler ici. Mais si la raison est vraiment forte, il va falloir que tu t'accroches. Tu dois endurer. Oui, parce que les éveillés ont l'habitude de dire « Bodjo, bodjo, melounan ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Je vais à mon poste. Où es-tu? Vera. Vera. Monsieur. Viens ici. Est-ce que je t'ai demandé de changer des choses dans ma chambre? T'ai-je dit de les arranger? T'ai-je dit d'arranger ma chambre? Réponds-moi. Non, monsieur. Tu sais à quel point je te déteste? C'est à cause de toi que je suis dans ce pétrin. Et t'es là à cause de ma mère. Mais je te déteste. Je te déteste tellement. La prochaine fois que tu toucheras à mes affaires, je vais te faire du mal. Reste à l'écart de mes affaires. Tu me comprends? Ne t'approche pas de mes affaires. Je te préviens, n'entre pas dans ma vie. Je te donne 10 minutes pour ranger cet endroit. Tu comprends? Et le remettre comme tu l'as vu. Compris? Bien. Je te parle, tu veux parler, tu es folle. Tu veux bien entrer dans cette toilette avant que je ne te gifle? Je parle, tu parles, foutue femme de ménage. Ça va. Chaque fois que je te vois couler les larmes, c'est comme si j'ai joué un temps comme dans ta vie. Tu sais que si j'avais eu l'argent nécessaire pour le traitement de maman, je l'aurais fourni au lieu de te faire payer avec tout ça. Je sais. Cette situation est trop difficile à gérer. Il est tellement arrogant. Et c'est même difficile pour moi de le regarder dans les yeux. Je sais, prions pour que maman aille bien et très vite pour que tu sors de cela. Pour que tu puisses reprendre ta vie et te trouver un travail digne. Tu vois?
Comment va-t-elle? Elle va bien, elle va bien. Mais elle est toujours inconsciente. Maintenant, le médecin dit qu'elle réagit au traitement, donc nous attendons avec impatience qu'elle se réveille. Et pourquoi ça n'avance pas vite? Il s'en occupe bien. Et elle va beaucoup mieux, mais c'est juste le gonflement du cerveau et je pense que ça s'arrangera d'ici peu. D'accord? Tu me manques tellement. Oui, je sais, je sais. Tu me manques aussi énormément. Ça va, ça va, ça va aller. Tu ne sais pas à quel point tu me manques aussi. Et sors d'ici, sors. Mais ça va pas bien dans votre tête. Sors d'ici, je veux plus te voir ici. Sors, vite. Comment vous traitez les femmes, quoi? Comment vous traitez les femmes? C'est comme allez, ça vite, vous traitez les femmes? Allez vite, sors d'ici. Lâche-moi, ne me tiens pas. Vas-y. Fais attention à toi. Hein. Dehors, tu penses que dehors, je suis l'une vas-y. De ces filles que tu maltraites? Tu es exactement l'une d'entre elles. Donne-moi prends ton argent et sors d'ici. Regardez-moi ça, je vais ramasser. Allez, je vais ramasser. Vite, sors, sors, vas-y. Vas-y. C'est comme ça que vous traitez les femmes? Je veux dire, n'est-ce pas la fille que vous avez ramenée hier soir? Vous étiez à fond sur elle hier et aujourd'hui elle vous dégoûte déjà? Comment pouvez-vous? C'est... Même les chiens peuvent parler. Hé, hey. Qui es-tu déjà? Vera, monsieur. Vera, c'est qui? Qui est Vera? Votre aide. Ma bonne. Tu n'es rien d'autre, mais ma bonne. Tu n'es rien d'autre, mais ma bonne. Répète après moi. Tu n'es rien d'autre, mais ma bonne. Répète après moi. Je ne suis rien. J'ai dit répète après moi. Je ne suis rien. Mais votre bonne. Idiote. Tu as la bouche pour parler, n'est-ce pas? Écoute, que ce soit la dernière fois que tu te mêles de mes affaires ou que tu me poses une question aussi stupide. Car la prochaine fois que tu le feras, je ferai de ta vie un enfer vivant. Je serai ton cauchemar. Tu comprends? Hein? Yeah. N'aime guère de temps en amalek colinamo. Eria champion. N'aime signe d'omiga trop colline ma sœur. Eria champion. Eria champion. Eria champion. Je reviendrai. Viens ici. Entre tout de suite, idiote. Viens par là. Approche. Approche. Viens. 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 Tu veux... Tu veux mourir? Tu veux mourir? Non, monsieur, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Pardon, idiote. Pardon.
Je suis désolée, j'ai frappé, je n'ai rien entendu. Je pensais que vous n'étiez pas à l'intérieur, c'est pour cela que je suis rentrée. Je suis désolée. Reviens. La prochaine fois que tu entres dans ma chambre, et sans ma permission, je te ferai goûter ceci. Ouais. Sais-tu ce que c'est? As-tu déjà entendu parler des dents blanches? Hein? Dents blanches! Ah. Oh! Et je vais te faire une overdose, bien dosée. Tu sais ce qu'on appelle une overdose? Overdose, tu vas doser. Oh maman. Cela ne se reproduira plus, ça n'arrivera plus dans cette maison. Sors de ma chambre, sors d'ici, idiote. Mais monsieur, vous ne pensez pas que vous êtes en train de détruire votre vie avec cette... Mais tu es folle? Idiote. Que faire pour que tu ailles mieux, maman? Quand ouvriras-tu les yeux? Tu me manques, ta voix me manque. L'entendrai-je encore? Tout ce que je fais et traverse, tout ce que je traverse, c'est parce que je veux que tu aies le meilleur traitement. S'il te plaît, réveille-toi. J'ai besoin de retrouver la source de ma joie, s'il te plaît. S'il te plaît, maman, s'il te plaît. Hey. Elle a fait le paiement? Oui, les factures ont été payées maintenant. Nous attendons que maman reprenne conscience. Il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite. Il faut que je retrouve ma vie. Tout ira bien. D'accord? Tu vas retrouver ta vie, je te le promets. D'accord? Dieu ne nous laissera pas dans la honte. Amen. C'est bon. Ça va. Ça va. Ça va. Sa présence ici est néfaste pour tes affaires et j'espère que tu le sais bien. Elle peut être une espionne de tes rivaux ou même de la police. La connais-tu du moins? Tout d'abord, je la considère pas comme une espionne. Elle est trop naïve pour être... Oh oui. Je dois la faire partir d'ici. Mais malheureusement, je ne peux pas. Soit c'est ma mère qui la vire. Soit... Elle démissionne d'elle-même. Alors, fais-la démissionner. Oui. Comment? Fred. Monsieur. Où est Vera? Vera? Oui. Elle est sortie, mais elle doit être en train déjà de revenir. La voilà. Allez, bouge. D'accord, monsieur. Vera, viens ici. Où est mon argent?
Monsieur? Où est mon argent? J'ai mis 50 000 francs dans ma chambre. Où sont-ils? Monsieur, j'ai pas vu d'argent dans votre chambre. Viens ici. Viens. Tu viens. Viens ici. Viens ici. J'ai mis 50 000 francs dans ma chambre. Où sont-ils? Monsieur, je n'ai pas vu d'argent dans votre chambre. Je n'ai rien vu. Tu as volé mon argent. Je n'ai pas volé votre argent. Tu as volé mon argent. Je ne peux jamais voler votre argent. As-tu fermé ta bouche? Tellement... Ferme ta bouche. Tu as le courage de me parler? Et alors, mon argent s'est envolé tout seul? Hein? Je n'ai pas volé votre argent. Tu es la seule personne dans cette maison. La seule personne qui peut voler mon argent. Et je punis différemment les gens qui me volent. Tu me comprends? Je ne vous ai rien volé. Alors, je suis le juge et le jury. Je te déclare coupable de ce crime. Tu as volé mon argent. Et je te donnerai la punition que je juge appropriée. Si tu ne veux pas recevoir cette punition, tu as une autre option. Tu n'as qu'à quitter ma maison. Quitte. Alors, c'est quoi ton choix? Parce que je vais te punir très durement. Hein? Hum? 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 Je t'écoute. Quelle est la punition? Oh, tu acceptes que tu es une voleuse? Je ne suis pas une voleuse. Oh, la ferme ta bouche, tu es une voleuse. Je ne suis pas une voleuse, mais j'accepterai n'importe quelle punition. Je vais te le préparer. Oh, je vais te le faire cuire et le rendre délicieux. Tu vois? Va m'aller, au corps, dans l'ogne chérigné. Viens, viens, laisse-moi t'offrir un cadeau. J'ai un cadeau pour toi. Tu porteras cette étiquette tous les jours de ta vie pour éviter la punition. Hein? Elle dit simplement, je suis voleuse, je suis voleuse, 4 fois. Parce que je t'ai demandé, Vera, est-ce que tu m'as volé? Tu as dit non. Tu m'as volé, tu as dit non. Tu m'as volé, tu as dit non. Tu m'as volé, tu as dit non. Alors ceci sera ton symbole de vérité. Car tu la porteras tous les jours de ta vie comme punition. Tu vois, pour m'avoir volé. C'est très bien maintenant. Ça a l'air bien, c'est la carte d'identité. Hein? Tu porteras ceci à tout moment. Jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. Tu comprends? C'est bon? Tu aimes l'étiquette, ça m'étonne pas. Hein? Attends, mon ami, es-tu en train de pousser ma main? Allez, Zigiri Zaganango, Zigiri Zaganango. Va apporter un chiffon et nettoyer le sol. Ne prends pas la tige à serviette, juste un chiffon. Je veux bien te voir à genoux, nettoyant ce sol.
Ziggy Zagana, go Zago, Ziggy Zagana, go. Ziggy Zagana, go Zagoro, Zagana, Zagana, go. À genoux. À genoux. Bien, c'est exactement là ta place. Sur le sol. Tu ne trouves pas ça magnifique? Écoute, si tu n'aimes pas ça, tu peux quitter la maison. Tu peux démissionner toute seule. Je veux pas te voir ici. J'ai pas besoin de toi ici. Démissionne. Va-t'en, de ton propre gré. Moi, je vais pas te virer. Tu vas partir toute seule. Vera, je m'adresse à toi. Monsieur. Nettoie le sol. Mon ami, es-tu en train de bouder? Faites attention, ne gâte pas mon tapis. C'est très cher. Ziggy Zagana go, Ziggy Zagana go, Zago, 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 Zago. Mon ami, vas-tu nettoyer le sol? Tu penses que c'est un concert de Jennifer's? Si tu ne veux pas être traité comme... comme un chiffon. Alors, quitte. Vera? Lève-toi. Je veux manger du foufou avec sauce d'arachide. Dépêche-toi de la préparer pour moi. Monsieur, il est 1h30 de la nuit. Est-ce que ça te pose un problème? Non, monsieur. Allez, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Idiote, pas de question, lève-toi. Et ne change surtout pas de vêtements. Je veux bien que tu ailles ainsi en bas. D'accord? D'accord. Démissionne, démissionne. Pourquoi ne pas démissionner? Quitte, quitte ma maison, putain. C'est quoi ça? Bon Dieu, elle accepte tout pour ne pas partir. Take it easy on me. Take it easy on me. I believe in high love. I believe in hopes. Take it easy on me. Take it easy on me. I believe in our love. I believe in hopes. I know I'm not so perfect. I know I need to do some more. Take it slow, I know someday we get there. We are just a little bothered, but I know we will make it through. In this dark, I still see the light in your eyes. Take it easy on me. Take it easy on me. I believe in our love. I believe in hope.
Take it easy on me, yeah. Take it easy on me. I believe in our love. I believe in our love. Assieds-toi. D'accord, c'est bon, bien fait, j'aime bien. Rentre à l'intérieur et apporte-moi du piment. J'ai besoin de plus de piment. Assieds-toi. Si tu veux dormir cette nuit, tu ferais mieux de faire ce que je veux. Il manque quelque chose. Tu connais Taditi? Voilà une nourriture qui convient à une voleuse. Hey! Oh lolo! C'est bien chaud, hein? Chaud, bien chaud. Chaud. Oh yeah, man. Des gens comme toi ont besoin de beaucoup de piment. Mange. Finis-le. Si tu ne manges pas, je vais le dire à ma mère que tu as volé mon argent. Que tu as volé mes 50 000 francs. Et je punis tous ceux qui me volent n'importe où, n'importe comment je le veux. Alors mange. Mange! Tu es folle, tu es malade, idiote. Mange ça et vite. Bien. Laisse-moi t'apporter de l'eau. T'inquiète, moi-même je vais t'apporter de l'eau. Voici l'eau. Mange. Mange. Je te regarde. Monsieur, je vais te... Tu veux bien dormir cette nuit? Si tu le veux, alors fais exactement ce que je te demande. Mais si tu n'as pas à t'occuper de ça, tu peux facilement quitter ma maison, tu le sais bien. Tu peux juste démissionner et partir. Juste pars. Mais je sais que tu ne partiras pas. Parce que tu es une voleuse, alors mange. Je dis mange. Mange, 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 putain, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mange, mange. Mange, 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 mange. Ça serait délicieux. Vas-y, 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 va, va, va. Voilà. C'est doux, n'est-ce pas? Appétissant. Le piment est bien dosé pour toi. Une seule bouchée et puis tu veux déjà boire. Tu voulais rester dans cette maison, n'est-ce pas? N'est-ce pas que tu veux rester dans cette maison? Ma chère, mange le repas. Tu veux rester dans cette maison, n'est-ce pas? Tu veux avoir affaire avec moi. J'aurai aussi affaire avec toi. Oh, regarde tes yeux.
Des larmes sur tes yeux, veux-tu pleurer? Mange ce repas. Maintenant. Excusez-moi, j'ai reçu un appel au sujet de ma mère. Madame Outiel a été hospitalisée ici. Où est-elle? C'est votre mère? Oui, c'est ma mère. Puis-je la voir? Non, non, vous ne pouvez pas la voir maintenant, à cause de l'état dans lequel elle se trouve. Veuillez patienter, tout ira bien. Dieu, s'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un à qui je peux parler, qui peut m'expliquer ce qui se passe? Oui, vous pouvez parler avec le docteur, mais pas maintenant. Donnez-moi encore 5 minutes et je vais le voir, d'accord? Docteur, s'il vous plaît, y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire pour sauver sa vie, s'il vous plaît? Je comprends tes inquiétudes, mais nous avons besoin d'argent pour la sauver. Sinon, elle mourra. Oh, je suis finie, je ne sais plus quoi faire. Merci, merci docteur. Mon Dieu, de quel genre d'épreuve s'agit-il? Mon Dieu. Ça va. J'ai entendu tout ce que le docteur a dit. Je t'observais. Et si je te propose de prendre en charge tous les frais d'hospitalisation de ta mère? Inclus son alimentation jusqu'à ce qu'elle ne tienne sur ses deux pieds. Mais je souhaiterais que tu me rendes un petit service. N'importe quoi. Dites-moi n'importe quoi. Je ferai n'importe quoi pour sauver la vie de ma mère. S'il vous plaît. D'accord. Je veux que tu sauves mon fils. Ma? Oui. Sois sa servante et prends soin de lui. En retour, je prendrai soin de ta maman jusqu'à ce qu'elle ne soit sur ses deux pieds. Après, je pourrai te trouver un travail. Un meilleur travail. Ou toute autre chose que tu voudras. Ça va comme ça, s'il te plaît. Lave tes mains. C'est bon. Ça va comme ça, va laver les mains. Vera. Fuck, Sly, qu'est-ce que tu as fait? Vera, s'il te plaît, lève-toi. Sly, qu'est-ce que tu as fait? Sly, qu'est-ce que tu as fait? Hein, gars, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait, Sly? Cette fille est trop innocente pour vivre ça.
Elle est trop naïve pour être mise dans cette situation. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mon gars? Oh mon Dieu, je ne sais plus vraiment ce qui m'arrive. Mais quoi? Vera, s'il te plaît, pardonne-moi. Dieu, s'il te plaît, je sais que je ne suis pas ta personne préférée en ce moment, mais s'il te plaît, pardonne-moi. Sauve-la, s'il te plaît, pardon. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je ne voulais pas lui faire de mal, je voulais juste qu'elle parte. Juste qu'elle quitte cette maison. Je ne savais pas que son entêtement pouvait aller aussi loin. Mais c'est quel genre d'entêtement? Qui peut imaginer qu'elle accepterait toutes ces punitions? Tu sais qu'on ne veut pas de toi, mais tu es toujours encore là. Tu es toujours encore là. Tout ça parce que tu veux sauver ton travail. Pourquoi? Vera, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolé. Vera, pardon. Vraiment désolé. Je ne suis pas une bête. Non. Je voulais juste te faire partir. Pour que mon affaire soit en sécurité. Pour que tu sois en sécurité, parce que c'est pas bien pour toi d'être avec moi, mais je ne peux pas te le dire parce que tu es si têtu. Tu es si têtu. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Attends. Non, tu n'as pas. T'as pas besoin de faire ça. Je suis désolé. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous venez de dire? Vous? Désolé, mais je pense que la nourriture que j'ai mangée hier a pu pénétrer dans mon cerveau parce que... Je pense que j'entends des choses. Est-ce vrai? J'ai cru vous entendre dire, je suis désolée. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans mes oreilles. Sûr. Parce que c'est pas possible. Comment as-tu pu manger autant de nourriture épicée, Vera? N'as-tu pas encore un peu de respect pour toi-même? N'as-tu pas? Parce que je te l'ai dit. Tu aurais pu juste appeler ma mère et démissionner. Nous n'avons pas tous la chance d'avoir le choix dans la vie. Que veux-tu dire par là? Rien.
Faut juste partir. Pars. Quitte ma maison, va-t'en. Pourquoi tu ne veux pas partir? Je ne peux pas. Même si je le voulais. Eh bien, nous verrons cela. Nous verrons bien cela. Tu peux partir. Va-t'en. Marie-Rose. Mmh? Belle femme. Oh, très, très jolie. Alors, viens ici. Viens. Mm-hmm. Je dis viens ici. Tu as peur? Tu as vu une très belle femme et tu as peur? Viens ici. Mm-hmm. Vous m'avez fait venir. Ouais, je t'ai fait venir. Je veux que tu parcours cet article, ce beau spécimen de femme. Hmm? Bien rempli. Devine son nom. Son nom c'est Oudjou. Madjoujou. J'enfouillerai ma tête là-dedans. Mm-hmm. Avant que je ne me perde, concentre-toi. Tu vas regarder tout ce que je fais. Tu comprends ce que je dis? Tu vas nous observer pendant que je fais l'amour à ce fruit souple. Et tu vas me donner tous les détails. Si tu rates un seul, je vais te foutre en l'air. Mais je sais que tu vas aimer regarder ce que je fais, crois-moi. Si tu ne veux pas, tu quittes ma maison. Démissionne. T'as pas besoin d'être ici. Monsieur, mais je... D'accord? Alors regarde et profite de la vue. Je sais que tu vas aimer ça. Pourquoi suis-je en train de traverser tout ceci? Est-ce un crime de ne pas avoir d'argent? Est-ce un crime d'être pauvre? De ne pas pouvoir payer le traitement de ma mère? Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît! Tu es tout ce que j'ai. Tu es tout ce que j'ai. Dieu, s'il te plaît. Facilite-moi la vie, cette épreuve est de trop. Trop dur. If only you can see the pain in my heart. If only you can see. Franchement, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je ne peux plus faire ça. Je n'en peux plus, je perds la tête. C'est bon. C'est bon. Juste rappelle-toi la raison pour laquelle tu le fais, hein? Et à la fin, tout ira bien, ma chérie. D'accord? D'accord?
Pars d'ici, s'il te plaît. S'il te trouve ici, je suis morte. D'accord, on se voit après. Je t'appellerai. Courage, ça va aller. Vera? Monsieur! Apporte-moi un autre briquet. Qui est-ce? Nous sommes de la police criminelle. Nous avons un mandat pour fouiller votre maison. Nos renseignements nous ont confirmé que vous êtes dans la drogue. Et vous êtes un grand fournisseur. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous êtes trompé de maison. Tu ne sais pas de quoi je parle. T'en fais pas. Nous serons bientôt. Si tu le sais ou pas. Fouillez cette maison. Tous les deux, allez. Attendez. Allez-y. Comme vous pouvez le voir, je vous ai dit qu'il n'y a rien dans cette maison. Toi, fouille là-bas. Et toi, vas-y avec elle. Nous avons fouillé partout, nous n'avons absolument rien trouvé. Ça,
Oh. Monsieur, voyez, il n'y a rien dans cette maison. Vous n'avez pas la bonne adresse. Ah. Nos renseignements peuvent l'être cette fois-ci. Mais je tiens à vous assurer que nous vous surveillons. Moindre erreur juste, nous serons là pour vous. Au revoir. Allons-y. C'est comment? Où est-il? Où est-il même? Où est-il? Je l'ai caché. Où ça? Où? Où ça? Par ici. C'est là-dedans. Ne vous inquiétez pas, je l'ai enveloppé pour que rien ne soit abîmé. Comment? Quand je les ai vus arriver, je suis allée chercher le sac à la tête de votre lit. Et je suis venue le cacher ici. Je priais juste que vous n'ayez d'autres cachés quelque part. Heureusement, ils n'ont rien trouvé. Attends. C'était là ta chance de me faire payer pour tout le mal que je t'ai fait. Pourquoi m'as-tu sauvé? Je peux être n'importe quoi, mais je ne deviendrai pas comme vous. Mon Dieu! Qui est cette fille? Qui est vraiment cette fille? Pourquoi est-elle comme ça? C'était plutôt sa chance de m'enfoncer. Mais elle a choisi me sauver. Pourquoi? Je ne peux pas imaginer qu'elle me montre cette gentillesse. Où est-ce le calme avant la tempête? Je ne comprends pas encore. Et toi, comment tu as osé? Toi, cet idiot. Enlève tes mains de moi. Insensé. Après tout ce que je t'ai fait, c'est ce que tu me paies en retour. Hein? Et qui t'a dit que c'était tu moi? Tu penses que je suis stupide? Ou penses-tu que je suis un imbécile? T'es la seule personne qui sait que j'ai des pièces à la maison. Ces gars sont venus dans ma maison. Et directement dans ma chambre. Et ils ont fouillé sous mon lit. Ils étaient très spécifiques. C'est toi ce putain! Enlève tes mains sur moi. Tu le sais.
Et si c'était pas Vera qui les avait enlevés à temps, je serais déjà derrière les barreaux. Oh, la salope s'est interposée, n'est-ce pas? Ne l'appelle plus jamais comme ça. Ne t'avise jamais plus de l'appeler comme ça, mon gars. Sly, c'est une salope. Je veux dire que c'est elle qui a causé cette différence entre toi et moi. Tu ne la vois pas? De quoi est-ce que tu parles? Sly, je suis ton ami. Tu as levé tes mains pour me gifler, ton ami. Tout ça à cause d'une fille avec laquelle tu prétends n'avoir rien. Tu m'as giflé. Mon gars, je te giflerai encore même si c'est une autre femme. Ça n'a rien à voir avec Vera. Mon gars, tu ne mets pas ta force sur une femme. Tu ne dois t'imposer à n'importe quelle femme, peu importe ce que tu penses être. Tu t'en dégages soit avec tes mots, soit avec ton argent. Tu m'as compris? Elle n'est pas d'accord. Et puis quoi, man? Tu passes aux suivantes. Quand il y a plein d'argent, il y a plein de chair. Il y a plein de femmes partout. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es malade? C'est dans ma maison que tu veux forcer une femme. Tu es cinglé? Je peux encore te gifler, même te cogner à plusieurs reprises. C'est pour ça que tu m'as trahi? À cause d'une gifle? Sly, tu as changé. Je veux dire, tu es devenu plus conscient qu'avant. Depuis que cette fille est rentrée dans ta vie, tout a changé. Tu peux maintenant te tenir droit et me parler. Man, qu'est-ce que tu racontes même? Je parle de la trahison. Tu es ici à... qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as oublié ce que tu viens de me faire subir? Alors, laisse-moi te dire. Peut-être que tu ne le sais pas. Tu l'as échappé cette fois-ci. La prochaine fois. Je dis la prochaine fois. Je doute que tu t'en échappes. C'est-à-dire que tu as un problème avec moi? As-tu un problème avec moi? As-tu un putain de problème avec moi? Ce que tu as dans la tête, ouvre la bouche et dis-le. Toutes les raisons. J'ai toutes les raisons d'être en colère. Tu veux savoir pourquoi? Tu veux savoir? Bien. Je vais te le dire. Je t'envie. Je t'envie. J'étais plus heureux quand tu étais drogué et inutile à toi-même et à tout ce qui t'entoure. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Juste à cause d'une fille, qu'est-ce que j'ai? Tu as un empire à hériter. Très bien. L'affaire de drogue marche pour toi. Toutes les femmes sont prêtes à faire tout pour être dans ton lit. Tu as un master. Et tu es très chanceux. Regarde ta voiture. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Sly, laisse-moi te dire la vérité. Depuis que cette fille est là, tout est devenu différent. Tout, je dis bien absolument tout. Tu gères maintenant ton affaire. Tout seul. Pourtant, c'est moi qui le faisais pour toi. Si ce n'est pas pour les petites miettes que tu me donnes, qu'est-ce que je deviens? Dis-moi, qu'est-ce que je deviens? Et je te promets une chose. Si je n'obtiens pas plus de toi, je dis bien si je n'obtiens pas plus de toi, Sly, je te détruirai. Écoute-moi très bien. Je te détruirai. Je te ferai tomber. Et je m'assurerai que tout tombe avec toi. Waouh. Waouh. Et je suis là à penser que tu es mon ami. Désolé, monsieur, je ne savais pas que vous étiez à l'intérieur. Monsieur, est-ce que vous allez bien? Sly.
Je m'appelle Sly. S'il te plaît, appelle-moi Sly. Est-ce que ça va, monsieur? Désolé, Sly. Oui, je vais bien. Oui, ça va, je vais bien. As-tu fini de nettoyer la chambre? Oui, monsieur, vous avez dit... S'il te plaît, nettoie bien cette chambre encore plus. Nettoie chaque partie de la pièce. Jette tout ce qui mérite d'être jeté. Je suis sûr que tu comprends ce que je dis. Tout ce qui mérite d'être jeté, jette-le. D'accord? Je serai en bas. Au salon, fais-moi savoir si tu as fini. Tenez. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tout sur elle. Elle est propre. Mais il y a une chose. Quoi? Sa mère se bat pour sa vie à l'hôpital. Comment? Quelqu'un l'a cogné le mois dernier. Écoute. J'ai besoin des informations sur le conducteur pour lui faire payer. J'ai fait la recherche. Et qui est-ce? Et c'est vous. Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant? Pour l'instant, vous êtes en sécurité. Mais patron, vous savez que tout ce que les gens voient, ils doivent le rapporter, jusqu'au moindre détail. Nous le savons tous. Dans quel hôpital se trouve-t-elle? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? S'il te plaît, pardonne-moi. Par où vais-je commencer à te supplier? Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. J'espère que vous me pardonnerez. J'espère que Vera me pardonnera. J'ai tellement honte de moi-même. J'ai tellement honte de moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait?
Je ne savais pas que tu étais en vie. J'étais fou. J'étais si fou. Je n'étais pas bien dans ma tête. Je suis vraiment désolé. J'ai un cadeau pour toi. Des choses que je pense que tu dois avoir. S'il te plaît, prends-les. Merci. Mais pourquoi ce cadeau? Mieux ne pas demander. Mais ça vient du fond de mon cœur. Je veux te dire que je suis désolé. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait subir. Je suis désolé pour les douleurs et les tortures. Je suis désolé pour les insultes et les mauvais traitements. J'espère que tu trouves une force dans ton cœur pour me pardonner. Je ne garde rien contre vous. Mais d'où vient ce changement? Que s'est-il passé? La vie. C'est la vie. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour te demander pardon. D'accord, je vais te laisser dormir. Bonne nuit. Be your sky, I will live to let you shine. And through all those storms, with you I find my peace. Love and peace better, and it's sweeter with someone like you. We will never break. We will.
Je ne sais pas comment cuisiner. J'espère que tu pourras m'apprendre à le faire. Je veux que tout ce que nous allons manger aujourd'hui soit cuisiné par moi. Êtes-vous sûr que tout va bien? Bonjour. Bonjour. Tu as bien dormi? Oui, et merci aussi pour le cadeau. C'est un plaisir. Vous avez un sourire si mignon et vous le cachez au monde entier. Oh, s'il te plaît. Regardez. S'il vous plaît, vous ne devrez plus jamais foncer oui, la mine. Je ne le ferai plus. Oui, madame, je le ferai plus. D'accord, on peut commencer. D'accord. Par ici. D'accord. Regardez-moi faire. D'accord. Mettez l'eau dans la casserole. C'est bon comme ça. D'accord. Couvrez-la. Au nom de Dieu, nous avons prié. Amen. D'accord, attends.
Je veux que tu sois la première à me dire comment est ma cuisine sous ton coaching. Elle est meilleure que la mienne. Fred. Oh, Marc. Vraiment, Vera? Vraiment? Mais Vera, tu m'as bien dit qu'il te maltraitait, qu'il te punissait. Est-ce là ta définition de punition? Sly, explique-lui. Vera, ainsi, plus tard tu viens dans mes bras en pleurant et moi tellement stupide pour penser que c'était lui qui te maltraitait. Vera, qu'est-ce que j'ai fait pour t'offenser? Comment t'ai-je blessé? C'est ce que tu fais derrière mon dos? Sly, explique-lui. C'est ce que tu fais quand moi je suis à l'hôpital. En train de m'occuper de ta mère. Ta mère. Je vais t'expliquer. Sly. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Qu'est-ce que tu as à dire? Quoi? Veux-tu me dire comment la fourchette se retrouve dans ta bouche? Vera, pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi nous as-tu fait ça, Vera? Vera, je suis vraiment déçu. Après tout ce que nous avons vécu. Vera. Toutes les femmes sont pareilles. Non, ne dis pas ça. Vera, tu m'as vraiment trahi. Tu t'es foutu de ma gueule. Non, je peux t'expliquer. S'il te plaît, je peux t'expliquer. Marc, attends, s'il te plaît. C'est bon. Laisse-le. Assieds-toi, s'il te plaît. Il a raison. Il ne devait pas avoir l'impression d'être trahi. Il a été là pour toi. Juste que, il aurait dû te faire confiance que tu ne peux jamais le trahir. Et te donner le bénéfice de doute. Écoute, Marc représente tout pour moi. Absolument tout. Il était toujours là pour moi. Je ne veux pas qu'il se sente trompé ou utilisé. S'il veut partir, laisse-le. Il trouvera une autre femme qu'il aimera. Et moi? Tu es déjà aimée. Il faut juste que tu observes bien. De quoi est-ce que tu parles? Rien. Allô? Oui? Oui? Oh mon Dieu! Oui, merci! Ma mère a retrouvé sa conscience! D'accord, merci! Heureuse. Je suis très très heureuse, maman. Tu ne sais pas combien de temps j'ai attendu ce moment. Je suis très heureuse. Pour te dire vrai, ma fille, je suis vraiment fière de toi. Tu es une fille forte. Très très forte. Merci de ne pas m'avoir abandonnée. Merci. Oh non, maman.
Maman, je ne peux jamais, jamais abandonner ma mère. D'accord? Mm-hmm. Mais une chose est sûre, j'attends le jour où je trouverai la personne qui t'a fait ça. Je dois lui rendre la monnaie de sa pièce. Non, non, non. Le plus important, c'est que je sois en vie. C'est ce qui compte le plus. Au moins, j'ai retrouvé ma vie. Et tu peux donc voir ta maman. Et tout le monde est en vie. Oui, maman, je sais, je sais, je sais. Alors, laisse tomber. Hmm? Je sais bien, maman, mais tu ne pourras pas comprendre. Tu ne pourras pas comprendre. C'est bon. C'est bon. Hmm? Ne t'inquiète pas. Hmm? Je suis tellement heureuse. J'espère que je te fais pas mal. Non, tu ne me fais rien de mal. Allez, tu dois finir ton repas. D'accord, tu vas le faire? Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Je suis heureux que ta mère ait repris conscience et qu'elle se rétablit. Je crois que mon travail est terminé. Marc, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Donne-moi une chance de t'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Que veux-tu me dire exactement? J'ai mis ma vie entre parenthèses trop longtemps. Vera. Et pourquoi? Pour ça? Écoute, regarde les choses en face. Ce que nous avons l'un pour l'autre n'est pas de l'amour. C'est juste de l'attention ou peut-être un peu de responsabilité. C'est compréhensible que tu as trouvé de l'amour et que tu veux aller de l'avant. Et je suis d'accord avec ça. Pourquoi mets-tu des mots dans ma bouche? Pourquoi décides-tu pour moi? Je n'ai rien à voir avec Sly. Oh vraiment, c'est Sly. Tu l'appelles Sly maintenant. Mais avant, tu l'appelles mon patron, monsieur. Et maintenant, c'est Sly. Écoute-toi-même. Mais Marc. Écoute, Vera, je suis fatigué. Je suis fatigué de toutes ces choses. Je sais que je t'ai déçu. Mais t'as pas besoin de me le mettre sous le nez. Je sais que j'ai pas pu réunir l'argent pour le traitement de maman et tout. Et puis, il est apparu. Et il t'a promis ce que je ne pouvais pas te donner. C'est ainsi qu'il a dévié ton cœur et tu es parti comme ça. D'accord, d'accord. N'insulte pas ma loyauté. Non. Écoute, arrête-moi ce scénario. Arrête-moi tout ça. Je sais exactement ce que tu m'as dit et ce que j'ai entendu. C'est... Écoute. J'en ai fini. Je dois partir. Il faut que je parte. Partir? Partir. J'avais une bourse pour aller étudier à l'étranger. J'ai pas voulu la prendre au début parce que je ne voulais pas que tu souffres toute seule. Je voulais rester à tes côtés. Mais il est évident que j'ai pas pris ma vie au sérieux. Parce que je voulais vraiment qu'on soit ensemble. Je voulais qu'on soit ensemble, mais... Tu as trouvé l'amour et tu t'y plais, donc je dois m'en aller. Marc, s'il te plaît. Écoute, c'est bon. On n'a pas besoin de faire semblant que tout va bien. Nous pourrons toujours être amis. Écoute, je ne veux pas être ce type dont tu te souviens quand tu faisais des courses et qui t'aide quand tu en as besoin. Je veux être ce gars que tu aimes vraiment. Écoute, je dois m'en aller maintenant. Prends soin de toi. Dis bonjour à maman de ma part. Je veux pas qu'elle me voie dans cet état, s'il te plaît. D'accord? Marc. Prends soin de toi. Je dois m'en aller.
Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hé, comment as-tu osé? Comment as-tu osé? Veux-tu mourir? C'est ça? Comment as-tu... Je te pose la question, veux-tu mourir? C'est ma vie. C'est tout ce que ça fait à ta santé? Je te crois avoir fini avec tout ça, non? Donne-moi ça, c'est ma vie. Non! C'est ma vie. Sais-tu comment cela affecte les gens dans ta vie? Sais-tu ce que cela fait? Allez, donne-moi ça. Ça affecte... Je te dis que c'est ma vie. Écoute, tu n'es plus un enfant, tu dois maintenant grandir. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Tu n'es plus un enfant, tu dois agir selon Vera, ton âge. Tu n'es rien, mais une servante. Ne touche plus jamais à mes affaires. Donne-moi, sors d'ici. Sors d'ici, viande puante. Regarde maintenant, tu l'as gaspillé. Tu sais combien ça coûte, hein? Très bien, Sly, très bien. Vera. Vera. Pardon. 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 Pardon, ne me touche pas. Pardon. Vera. S'il te plaît, j'ai pas l'intention de te blesser. Je ne sais pas ce qui m'a pris, s'il te plaît. Je suis désolée. Je n'ai pas le droit, de me mêler de ta vie. Vera, s'il te plaît, ne fais pas ça. C'est pas ta faute. Je ne sais pas, mais chaque fois que je prends cette chose, je ne sais pas ce qui me prend. S'il te plaît. C'est pas ta faute, je suis désolée. Non, c'est ma faute. Vera, s'il te plaît, je sais que je t'ai blessé. Je reconnais. Et je suis vraiment désolé. Mais s'il te plaît, ne m'en tiens pas rigueur, je t'en supplie. Vera, je n'ai pas d'amis. Je vis dans la solitude. Mes seuls amis sont ceux avec qui je fais ce business. Et puis ma mère qui veut le meilleur pour moi. Et puis tu es arrivé. Et d'une certaine façon, même sans que tu ne le saches, même sans que je ne le sache, tu m'as changé. De quoi est-ce que tu parles? Tout ce que je dis est que je suis désolé, pardon, je suis vraiment désolé. J'ai été un con. J'ai été un con et stupide, je suis désolé, pardon. S'il te plaît, Vera, ne retiens pas ceci contre moi, je t'en supplie, pardon. S'il te plaît. Écoute, je ne suis rien pour toi, d'accord? Je ne suis qu'une servante. Qui t'a été imposé. Je n'ai aucun droit. Je n'ai pas le droit de parler. Je n'ai pas le droit de penser par moi-même. Je suis une bonne qui peut être punie à volonté. Je ne suis qu'une bonne qui... S'il te plaît. S'il te plaît, pardon, s'il te plaît. S'il te plaît, ne pars pas, je suis tombé amoureux de toi.
Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je suis tombé amoureux de toi. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas quand. Je me suis juste retrouvé là-dedans. Je ne suis pas du genre à tourner autour du pot. Je te dis juste ce que je ressens. Et c'est la vérité. S'il te plaît, je t'en supplie, ne... pars pas. Je ne veux pas que tu partes. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Reste avec moi et bats-toi. S'il te plaît. Je suis désolé. Pardon. Pardon. Maman, je suis désolé. Vraiment désolé. J'ai été un imbécile. Je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas. J'aurais pu te tuer cette nuit-là. Maman, la douleur que j'ai dans mon cœur est plus qu'un fardeau pour moi. Car je ne sais pas par où débuter. Je ne sais pas par où débuter. Juste te faire savoir ce que j'ai fait subir à Vera. J'ai fait subir beaucoup de choses à cette fille. Je lui ai fait subir beaucoup de choses, maman. Par où dois-je commencer? Alors que je devais plutôt être celui qui la supplie pour me pardonner. Je lui ai fait subir beaucoup de choses. As-tu dit la vérité à Vera? C'est elle que c'est toi qui m'a écrasé cette nuit-là. Maman, par où commencer pour lui dire ces choses? Comment? Comment puis-je ouvrir ma bouche et lui dire que je suis la cause de tous ces problèmes de la vie? Même si je lui dis, est-ce qu'elle m'écouterait? Est-ce qu'elle me croirait? Par où commencer? Comment vais-je lui dire que j'ai presque tué sa mère et j'ai fui? Hein? Comment? Comment est-il possible qu'elle me pardonne? Comment? Où vais-je commencer? Où vais-je commencer par lui dire que je suis la cause de ses problèmes? Vera. Vera, s'il te plaît, ne fais pas ça. Vera. Vera. Vera, attends. S'il te plaît. C'est donc toi. Donc c'est toi qui as mis ma mère dans cet état. Et tu n'en as jamais parlé. Tu me regardais souffrir. Tu as même aggravé mon sort. Je ne savais pas, j'étais pas au courant. Je viens à peine de le découvrir. Vera, je ne savais pas, je suis désolé. Sais-tu ce que j'ai enduré? Le sais-tu? J'ai travaillé comme femme de ménage chez toi. Pour que ta mère puisse payer les frais d'hospitalisation de ma mère. Alors qu'en fait, c'est toi qui devrais travailler pour moi. Pour payer pour tes péchés. Vera, je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu es désolé. Qu'est-ce que tes excuses vont faire? Est-ce que tes excuses vont rattraper le temps que ma mère a perdu en étant inconsciente? Cela compensera-t-il la douleur, l'humiliation et la dignité que j'ai perdue quand tu m'as accroché l'étiquette d'une voleuse au cou et que je me promenais partout dans votre maison? Est-ce que cela compensera l'humiliation que j'ai subie en vous voyant faire l'amour avec une autre femme? Pourra-t-il?
S'il te plaît. Rien. Rien ne pourra compenser la douleur. Les insultes. L'humiliation que tu m'as fait subir. S'il te plaît, pardonne-moi, pardonne-moi. Je t'en supplie. Te pardonner. Te pardonner. Pardon. Te pardonner. Pardon, Vera. Le pardon est loin de toi, Sly. Je ne vais jamais, jamais te pardonner cela. Sais-tu ce que j'ai enduré? Le sais-tu? J'ai même perdu Marc à cause de ce drame. Et tu es là, debout devant moi, à me demander de te pardonner. Tu sais, j'ai toujours dit à ma mère que le jour où je trouverai la personne qui l'a mis dans cet état, il allait payer. Je ne savais pas qu'il me faisait déjà payer moi-même. J'en ai fini, Sly. J'en ai fini. Je refuse de travailler pour la personne qui est la cause de ma douleur en premier lieu. Mais sache ceci. Écoute, écoute-moi très bien. Je ne pourrai peut-être pas te faire payer tes péchés comme je l'entends. Ou même te faire payer les choses que tu m'as faites. Tu vois? Mais Dieu te donnera exactement ce que tu mérites. My love for you will keep me going. Only if you take your time to see and realize where we come in from. 'Cause I live all my life for you. Vera, je ne suis pas venue ici pour t'empêcher de partir. Mon fils m'a tout raconté. La vie a sa façon de faire les choses, tu sais. Mais il y a une chose dans toutes ces histoires que je ne t'avais pas racontée auparavant. Je ne sais pas de quoi vous parlez. D'accord. Quand je t'avais vu ce jour à l'hôpital en train de pleurer, quelque chose m'a attiré vers toi. J'ai vu ton innocence et ton cœur de gentillesse. Et quelque chose m'a dit ce jour que tu serais la bonne personne dans la vie de mon fils. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. D'accord. Je t'ai pas seulement amené ici pour travailler pour mon fils. Je t'ai amené pour travailler et tomber amoureuse de lui. Malgré que je n'étais pas sûre que tu tomberais amoureuse de lui, ou bien lui tomber amoureux de toi. Mais j'ai tenté le coup. En pensant que même si ça ne marchait pas à 100%, au moins dans une certaine mesure. Je ne suis pas amoureuse de votre fils. Mais lui, il est amoureux de toi. Je sais qu'il t'a fait du mal. Oui, je sais. Et toi et moi savons qu'il a fait beaucoup de mauvaises choses dans ta vie. Mais il est prêt à s'en repentir. Il a besoin de toi dans sa vie. S'il te plaît.
Pardon. En tant que quoi? Sa voleuse? Non. Il m'a tout raconté. Il m'a raconté tout le mal qu'il t'a fait. Toutes les humiliations ou les insultes juste pour que tu t'en ailles. Et tu as eu le courage de tout supporter. C'est pour ça que je suis là, Vera. D'une mère à une autre femme. S'il te plaît, ma fille. Maman, s'il vous plaît, ne vous mettez pas à genoux pour moi. Je ne suis pas Dieu. S'il te plaît, sauve mon garçon. S'il te plaît, sois là pour lui. Pour le moment, tu es la seule personne qui puisse sauver mon fils. S'il te plaît, ne l'abandonne pas. Tu en as fait beaucoup pour qu'il reprenne ses esprits. Ne l'abandonne pas maintenant. Il risque de rechuter et de s'enfoncer encore plus. S'il te plaît, reste dans sa vie, je t'en supplie. S'il te plaît. Regarde si tu veux. Si tu veux le punir pour ce qu'il a fait pour ta mère, s'il te plaît, vas-y. Et je crois qu'il peut supporter. Mais s'il te plaît, Vera, ne le laisse pas gâcher le restant de sa vie, s'il te plaît. S'il te plaît, mon bébé, s'il te plaît. Veux-tu? Je lui ai déjà pardonné. Et toi, fais de même. Mais d'après ton regard, je peux voir que tu es amoureuse de lui. Alors, pourquoi ce drame? Il m'a fait tellement de mal, maman. Oui, je sais. Il s'est excusé. Mais ma fille, s'il voulait vraiment te tromper, il n'allait pas me dire la vérité. Il ne me l'aurait pas dit. Et tu serais allé loin avec lui. Et s'il arrivait que tu te maries avec lui avant de le découvrir, vas-tu le quitter et briser ton mariage? Écoute, ma chère, moi j'apprécie déjà ce garçon pour toi. Oui, accepte-le et pardonne-lui. Fais de lui ce meilleur homme que tu veux avoir dans ta vie. Hein? Écoute. Change-le. Écoute, l'erreur est humaine et pardonner est divin. Trouve la place dans ton cœur pour lui pardonner. Juste laisse tomber. Laisse tomber le passé. Pardonne-lui. Tu es déjà tombée amoureuse de lui. Tu le sais bien. Ne laisse pas détruire ce que tu as déjà construit. Pardonne-lui. Tu l'aimes. Ne le rejette pas. D'accord? Ne le rejette pas, s'il te plaît. Et il t'aime beaucoup aussi, ma fille. Il t'aime. J'ai accepté tes excuses. Et ma mère, que tu as le plus offensé, te pardonne. Je n'ai pas accepté d'être ta femme ou d'être dans ta vie à cet égard. Mais
Je te soutiendrai. Je t'aiderai à traverser cette épreuve si tu acceptes d'aller en cure, de désintoxification et de bien t'occuper de tes affaires. Après tout ça, nous pourrions passer à l'étape suivante. Mais jusqu'à ce que tu te libères de cette dépendance à la drogue, que ce soit sa consommation ou sa vente, je ne serai pas ton épouse. J'ai eu des conversations similaires avec ma mère. Et j'ai accepté d'aller en cure de désintoxication. Je veux changer ma vie et moi-même. Je ne le fais pas seulement pour toi, Vera. Je le fais aussi pour moi-même. Parce que je veux devenir la meilleure version de moi-même. Je veux redevenir la personne sans drogue que j'étais. Avant la mort de mon père. Vera, je comprends vraiment ton inquiétude. Mais je voudrais te supplier pour une chose. De bien vouloir attendre mon fils, s'il te plaît. Je ne voudrais pas avoir une autre femme dans la vie de mon fils si ce n'est pas toi. Eh bien, tout est maintenant dans ses mains. S'il réussit à franchir toutes ces étapes, je l'attendrai. Mais si je sens qu'il y a un drame, je partirai avant que tu t'en aperçoives. Bien, tout est réglé. Alors aidons-le tous à traverser cette période de sa vie. Parce que ça ne serait du tout pas facile. Croyez-moi. Oui. Alors ? Je promets d'être à tes côtés. On y est. Je vais y aller. Pour toi. Pour nous. Je veux être un homme meilleur. Je veux être l'homme parfait que tu veux. Et j'espère devenir cette personne. Je passerai souvent. D'accord? Je promets de t'attendre. Et rappelle-toi, à chaque fois que tu auras envie d'abandonner, sache qu'il y a quelqu'un qui t'attend impatiemment. Promets-moi que tu vas m'attendre. C'est promis.
Salut mes abonnés, salut, comment vous allez? On va bien. Salut mes abonnés, salut, comment vous allez? On va bien. Fanny mi fonye de a, mi fonye de a, mon homme mi fonda de a, mi fonda de a. Les mains en l'air, 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 les mains en l'air. On chante ensemble.